Car la lumière est venue.
pela popularidade, se quer controle do meu coração. Mas, este é bom. Mas, casi, como é o Senhor comparado? Do que o Senhor nos faz fugir? Como é esta oportunidade de ser? Nós avons pris le temps de dans le mariage. Nous avons pris le temps pour que ce soit le mariage là. Et nous avons vu qu'il y a cette vocation. Nous avons dit que ce sera le plus mariage là. Il y a les fiançailles. Et ce sera le mariage. Et il y a le mariage autre. Et ce sera le mariage. Et ce que nous appelons ces vocations, on peut l'appeler encore la fille, ou les préchancelles, de cette période pendant laquelle la jeune fille et le jeune homme. Et les jeunes hommes sont en train de s'étudier. Et le jeune homme sollicite le cœur de la jeune fille. Nous avons vu cette citation en train d'insister. Il faut d'abord que je sache ce que je fais. Avant de savoir ce que je fais. Je dois savoir ce que je fais. Para
dans ce même maintenant. Votre sera l'électeur qui t'a pardonné de venir de sa vie. Il y a une maison de compagne ancienne. Et venez là pour vous montrer la vie. Représentons-nous là. Dans notre esprit pendant le moment. Disant qu'il a commencé à fréquenter un groupe qu'il ne devait pas fréquenter. Il n'a pas fini la promesse. Peu importe quel gars est-ce que ou quelle fille est-ce. Vous devez les appeler la haute acte à la mobile et votre voisine n'y a pas dit. S'ils ne sont pas sauvés, stockez, gardez-les loin d'eux. Amen. Ce qui est pas de la moustique à la bambo. Ça reste au tard. Peu importe qui est ce gars.
passer leur lune de miel. Et va laisser la lune de miel là-bas. Dans un grand hôtel de Dubaï. La hôtel de l'île de Poulet de Dubaï. Et les noms les assiettes avaient le visage de Marie. La bassine de Marie. Thank you.
blasphème. C'est le blasphème. C'est attribuer à Satan ce qui me tient dans Dieu. Mais les mecs qui est a dit que c'est un fantôme. Un élu de blasphème. Je crois qu'il a venu dans sa première vie. Il a fait une semaine. Il n'a pas pu s'y
C'est ce qui nous arrive. Beaucoup de gens l'ont dit. Et Pierre avait marché sur les eaux. Mais moi, je contredis ça. Pierre n'a jamais marché sur les eaux. Non. Pierre marchait sur la parole du Seigneur. La parole qu'il y avait dit sort de la barque des marchés. Pourquoi avez-vous épousé votre enfant?
pas. Pour la vie, on va être vacciné. Vous avez conscience en fait. Pour la vie, les allées. Pour la vie, la bombe est candor. Pour la vie, les allées. Le test va déterminer. Vous pouvez noter ça, 27 juin. Non, j'ai pas dit. 27 mai 1950. Par contre, oui. Je voudrais ma soeur. Un homme. Peu importe tout ce que l'on voudrait essayer de prétendre. Quand on arrive à une tension, une pression. L'homme montre ses côtés. Les meilleurs de ses lépines. Quand il y a une pression qui s'excède. J'ai bien entendu sa tension. Mais si tu lis ça, on le met la tension. C'est pression. Et la pression qui s'excède, c'est le monde. Vous voyez, peu importe. Un homme peut. Importe tout ce que l'on pourrait essayer de faire. Ça fait 19 ans que je connais ma femme. Vous savez, une femme ne se dévoile jamais tout à fait. Et quand vous sommes très en fréquentation, vous devez le savoir. Pour ne pas te donner demain, vous vous dites, ah, ça il m'avait pas dit. Ne vous attendez pas à ce que une femme, à première heure, à moins que ça. Là même la prostituée, c'était un tombeau de mystère. Mais une femme, vous êtes là. Vous ne pouvez feindre l'amour
Vous aviez confiance en elle.
Père, vous aviez confiance. Vous ne pas conscience. Ne pas la terre. Je sais qu'en anglais, conscience c'est un foi. Mais bon, aussi, parfois les traducteurs traduisent la même chose. Mais la foi, parce que oui, vous avez pas déjà été donné et la discipline ferme. Mais la conscience, c'est un sentiment de sécurité. Quand il prouve vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, vous êtes là. Cette espérance solide que vous avez en lui, tu vois, et c'est cette crédibilité, ce crédit, si tu veux, cette sûreté, et cette conscience appelle obligatoirement à la parole. C'est bien que vous étiez conscient que tous les liens de retenue, c'est elle. Bon,
Parce que pour nous avoir,
chrétien. Pensant à l'amour du Père. Quand je fais quelque chose de mal, c'est vrai, j'aurais peur de la sanction. Mais quand je pense au sang qu'il a versé, je sais que je peine dans la grâce. Et l'amour du Père m'offrira le chemin de la repentance. Et quand il est même, s'il me châtie, ça sera pour les fois. Pas pour les fuir. Est-ce que c'est la vérité? Mais parce que la Bible dit, la femme c'est un autre toi-même. C'est ton corps. Il m'est arrivé de casser, je ne compte plus le nombre de verres et des assiettes. Mais une attention, bois. Quand tu souris, tu ne peux tout faire, je vais remplacer. Est-ce que c'est vrai? Et pour vous allez, dans son. Mais quand c'est ta femme, la petite là est rentrée, c'est pour finir tout ce que j'ai. C'est parce que les beautés d'une mission diabolique. Tout ce qu'elle est, tout ce parce que tu penses que c'est la petite. Pense à ta propre corps. Quand tu n'es pas dans la même attitude, pense que ta femme. Et quand ta femme a cassé, ça c'est ta femme, c'est une autre toi. Car la peur suppose un châtiment. Il va me compter tout. Il va infliger quoi? Quelle sera la sanction? Et la Bible dit. Et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. C'est beaucoup de gens. Pas parce qu'il veut aller au ciel. Mais il prie parce qu'ils ont peur d'aller au ciel. Parce qu'on a appris de ma part d'aller au ciel. Et c'est pas la parole qui parle. Donc c'est comme si c'est l'homme en fait. Parce que celui que vous obéissez, c'est pas que c'est votre propre père. Il était tellement court.
Balise, attendez, on va venir dans le
Adam et Ève. Ils ont pratiqué le sexe. C'est le serpent qui était le premier. Genèse chapitre 3. Et Marty à la fin. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de fruit à ça au côté de la mer? Il a embrouillé la femme. La femme dit non, Dieu a dit qu'on fait quoi? Sauf le fruit de l'arbre du milieu. Prenez une femme. Tu vois, et le gars, vous trouverez le milieu. C'est ce fruit-là qui est interdit. Si vous pensez que c'est une pomme que la femme a mangée, vous le croyez. L'homme est catholique. Mais, car il se voit, où est-ce que Dieu a infligé la condamnation? Où la sauve? Ça, c'est la révélation de Matthieu 5. Si votre main est pour vous une occasion de succès, c'est quoi? Alors, si vous êtes exilé, si votre main est pour toi une occasion de succès, arrache-le. Et partez là-bas pour voir qui était l'occasion. Qu'est-ce qui a occasionné la chute? Une femme qui trompe son âme. Parce qu'un célibataire ne commet pas d'adultère. Parce qu'il n'a rien contre qui commet d'adultère. C'est un homme qui est marié. Et quand il s'est avec une autre, parce que je ne parle pas d'un homme qui vit avec une femme. Vous n'avez pas besoin de mariage. J'ai parlé de quelqu'un qui vous êtes lié par un vœu, ça va être un mariage. Si tu me laisses, on te la laisse. Mais avec quelqu'un qui est notre partenaire, tu commets un péché. Et ce péché, quand même, ne peut pas juger. C'est Dieu qui te juge. Vous êtes avec moi? Tu vois pourquoi les prêtres se calment et crient. Sa propre femme. Il la met au lit. Et il met un CD. Et la CD est au lit. Et les deux voies. Ils sont où est le Dieu là? Est-ce que ce qui vient là c'est Dieu? Ils ont regardé. Et quand vous regardez ça, Dieu sort par la fenêtre. Et vous vous livrez vous-même. En la normalité, la bestialité. Et regardez comment le gars l'a comme un métal. Et regardez comment cette femme-là, les yeux se tournent vers Jésus. J'ai pas encore vu quelqu'un. Face au cadavre du cerveau, il retrouve la pitié du Réunion. Oh, il a commis nos couilles. Ça existait. Le chien qui t'avait mort. Quand tu passes au cadavre, le chien qui t'avait mort. Mais le cerveau n'est pas. Qui avait fait un Ève là-bas.
L'envie.
Il est là. L'amour n'est pas envie. L'amour n'est pas fantasme. Ça simple, frère. Toi, l'amour n'est pas en cœur. 4. L'amour n'est pas malhonnêteté. L'amour ne fait rien de malhonnête. Quelqu'un a noté ça. L'amour ne fait rien de malhonnête. Tu as invité ta belle-sœur à venir habiter chez toi. Et nous venons tous tes regards. Et les épaules de notre fille sur la belle-sœur. Et d'ailleurs, on peut trouver sa mort dans le cas de sa belle-sœur. Non, ce n'est pas ta femme. L'amour ne cherche pas son intime. Si tu l'aimes, tu préférerais venir à l'église et avec les habits. Comment on dit ça? Les habits. Tu ne viendras pas en ayant les habits équipés. Tu viendras comme ça, ta femme. Regarde comment tu l'as dit. Parce que tu ne cherches pas ton intime. Tu poursuis le plus bien. Le plus haut qui est d'être une femme. Et la femme, pour son salaire, et elle sent que c'est dans un foyer où l'homme est en train de poursuivre le plus haut qui est d'être sa femme. Et la femme, pour son mari, et les deux pour les enfants. Alléluia! Alléluia. Et un couple qui s'aime ne mourra jamais de ça. On va aller au Vatican. Toi, l'amour ne s'irrite pas. J'écoute mes scènes. En plus, il y a un acte. Tu peux aussi choisir un rire. Elle se posait un acte. Et quand tu as vu l'acte, la faculté de discernement que tu as, au niveau de ta propre raison, t'a mené à conclure à bébé. Il t'a manqué respect. Émerge toi. Et tu gonfles. Tu deviens Luc. Créature verte. L'amour ne s'irrite pas. J'ai trouvé toujours le niveau de la parole, tu as rien à comprendre. Et là, tu peux comprendre pourquoi l'avance. 4. L'amour ne soupçonne pas dedans. 5. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Et quand vous recoupez toutes ces choses, vous allez arriver à la conclusion. L'amour est correctif. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi, frère, vous devez être plus. Vous devez comprendre. Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 18. La sainteté est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité ne fait aucun mal. La charité ne fait aucun mal. Elle est sans aucun orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle se réjouit de l'injustice. Elle sait se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle se réjouit. L'amour ou la charité de l'aider les gens. Qui peut dire que la soupe va être là? Maintenant, dernière citation pour clore. La foi parfaite. Dimanche 27 août 63 le soir. Voilà, le 121. Passons à 127. 25 ou 63, par 127 à 128. Tenez, c'est comme pour un jeune couple. Vous prenez un jeune
l'homme et Jésus. Comment tu sais que Walter et moi sommes amis? Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Alors qu'ils vont de là. Et qu'ils commencent à mieux se connaître. Vous écoutez ça? Leur cœur commence à battre avec ici. Voyez-vous? Ils sont en puissance. Ils ne sont pas encore mariés et femmes. Mais leurs amours les lient. Et ils ont confiance l'un dans l'autre. Et bien, si le servent même, si le servent même, et si vous savez que cette fille vous aime, et si elle sait que vous l'aimez, vous avez conscience. Est-ce que vous avez remarqué ce qui produit la conscience? Si vous avez soif l'un dans vous, si c'est un femme, vous feriez mieux que de ne pas vous marier. Tu n'as pas confiance en lui de force, pas de mais tu crois que ça va s'arranger. Je suis bien ancien pasteur qui t'a fait le pécheur pour ce qui fait encore. Je sens pas que les gens sont déjà. Et le pasteur est un peu non, tu vas m'amour. C'est un peu comme tu le vois. Au début, quand tu as vu de là, tu sais qu'après qu'il est pris, il faut éventer. Il faut s'arrêter. Je fais ma promesse. Maman, tu m'en fais la par respect de lui, j'ai gardé silence. Quand la sœur est partie, je vais m'en faire. Je vais en train de tuer la sœur Vérin. Tu connais le cabalon. Il y a commencé à prêcher avant moi. Avant même que je puisse croire. Il a commencé à prêcher, c'est pas depuis. Je suis en 89. Moi j'ai cru en 89. On avait pas la totalité du message. Et ils ont fait beaucoup d'erreurs. Je ne dis pas ça pour fustiger les vieux. C'est pas leur faute. Et ils sont restés les conservateurs avec ce qu'ils prêchaient des années. Tu vois un pasteur qui laisse un frère, qui le fait en fréquentation pendant 3 mois. Après, il est chance. Après, il est chance. C'est que tu es une année. Sinon, vous le dites. Il a fréquenté sa femme. Un autre, il a fait 6 mois. Un autre, il a fait 8 mois. Un autre, il a fait 1 année et quelques mois. Donnez du temps qu'ils se connaissent, qu'ils s'écoutent, parce que ce qui prend du temps à noître est solide et aura du caractère. Ça, hein? Ils n'ont pas eu le temps là. Quand ils se marient, le frère est surpris de voir on se n'en a pas. Alors, toi là, et tu vois, maintenant, un pasteur m'a dit là qu'il n'a pas. Et pendant que je vous prêche, le frère a refusé la sœur avec 2 enfants. La sœur a refusé. Maintenant, quand on se voit avec le pasteur, il a honte. Le vieux, c'est pas le nombre d'années qui procure l'intelligence, mais c'est l'esprit de l'éducation. Mais il y a d'autres dieux qui sont servis. Je vous donne l'exemple parce que pour le Seigneur, Bible de Tabernacle, 4ème affaire, ou après être noir. Bible de Tabernacle, il a même marié 2 jeunes gens. La fille n'est pas quoi, c'est pas 16 ans, quelque chose comme ça. Et le garçon avait 18 ans. Quand ils se sont mariés, le petit là qui n'avait pas encore acheté sa propre liberté, il prenait ce qui se passe derrière lui. Il fallait raccourcir ça à ses amis de l'épouser. Et la femme a eu forme de ça. Ça a créé des problèmes. On a essayé de les réconcilier. Le pasteur Sylvain m'a appelé pour m'aider mon but. S'il y avait une citation, il dit, vous pouvez les séparer, qu'ils grandissent d'abord. Et puis les réconcilier. Et on les a séparés. Le temps que le garçon pousse en grand âge.
Et quand la fille a eu, je ne sais pas, 24 ans comme ça, le garçon a ajouté les âges là. Et on les a réconciliés. Et ils sont là, ils vivent. C'est même un problème de maturité. C'est pas juste mariage, marié et âge. Le mari doit avoir la maturité. Même si vous m'avez dit, moi, je suis un petit molingué. Si vous parlez de maturité, vous avez la maturité. Mais quand tu maries un garçon, le but même, il n'a pas acheté la puberté. Vous êtes marié. Ça plus long, et vous détruisez ça. Lorsque la magie du sexe va s'éteindre, et qu'il sera habitué à ton corps, il deviendra comme Christophe Colomb. Et vous allez être explorateur du nouveau monde. Et là, tu vas souffrir. Parce que quand il y a là-bas, il va dans la guerre, les sécessions, comme les Indiens, il faut attraper les bisons, il faut ensemble. Et le temps de Dieu, on a plein de paix. Étudiez ces choses. Et ça va nous aider. Vous êtes là? Pesa ka moto moi si t'es là. Pesa ka moto moi. Si le pasteur est un frère, frère, soeur, c'est un mauvais conseil qui dit. Le choix est individuel. Si ce n'était pas votre absolu, je viens dire que le mieux pas mal. Tu peux dire amen. Vous devez avoir foi. Et si vous les séparez, les gens qui savent, ils ont confiance en vous. Et que vous mettez même à l'extrême, ils seront toujours cet amour l'un pour l'autre. Ou qu'ils s'épousent, ils sont aussi fidèles que vous. Et si vous aimez le Seigneur, pas juste pour échapper à l'enfer, mais vous aimez le Seigneur, alors vous avez foi en vous. Et nous, ils vont l'aimer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi vous donnez ici vos fréquentations. Et vous voulez développer donc une véritable relation avec le Seigneur. Nous avons dit que ça une vraie relation de conscience. Mais qu'est-ce que le frère il doit tout dire à ce souffrir total. Et ça, c'est-à-dire les bons et les mauvais coups. Ne pas jouer au cache-cache. Et surtout ne pas faire la tête. On a tous ça. Quand on grandissait à Bila, 25 ans. Le grand n'a pas d'habit. Quand il va aller voir sa petite copine, il va chez le gars qui est au coin de Parisien. À ma côté, par les filles du papa. Comme ça, moi, chaussette. T'as qu'à Bibi. J'ai à 8, 8 ans de maladie. Bah, tu vas tout aller bien. Et la petite casse. Avec une question, il peut insister à plaquer la femme ici du lapin. Fait parce qu'on avait réclamé hier, il n'avait pas passé. Dis-lui tout ce que tu sais. Tu dois tout dire en fait. S'ouvrir totalement et rien cacher. C'est un gros conseil, c'est que tu dis. Tout lui dit. Des bons et des mauvais pour moi. Ne joue pas sur tout au cache-cache. Parce que ça ne soit qu'un rien. C'est là que votre conjoint découvre. Un autre visage de vous. Alors ce serait un mensonge. Donc vous allez partir votre union sur un contrat de mensonge. Si sur le mensonge, vous l'aviez trompé. Et seul, croyez-moi, croyez-moi. Dans l'alliance entre Dieu et l'homme, le mariage, c'est tout autre chose que dans l'alliance de l'homme, dans la femme et bien sûr dans le mariage. Vos alliances sont séparées après la divorce. Quand on parlera du divorce, on répétera. Ça le soir. Et du côté de la femme, c'est séparé. Faites attention. Mais quand tu t'ouvres au frère, quand tu t'ouvres à ma soeur, c'est sans pourtant aborder le côté sexuel de la chose. Vous allez comme ça, car vous comptez la dame monnaie, elle sera dans un pays. C'est pas plus au salaire, c'est comme la gueule du lambard. Là, boucle tuyau, cache. Je suis là, on dit le tuyau. Pardon. Juste que l'histoire. Vous avez dit. Et la soeur te dit, oh là, c'est la gueule, moi, il faut désormais ta gueule,
voyez pas, si vous priez, je vais le préparer. Vous ouvrez la porte à la sanctuaire. Vous ouvrez l'idée et vous préparez le chemin pour faire de vous. Vous pouvez sauver le fruit ici. Alors, vous pouvez faire de votre volet. Si vous regardez le souci, n'oublie jamais. Pour vous, ça ne peut pas être ta n'oublie surtout pas, frère. Pour vous, ça ne peut pas être ta et les femmes ne se dévoilent jamais complètement. Voici un petit attaque pour nous. Et c'est attaque contre toute responsabilité. De poser des questions juste pour vous. Et puis, j'exige des réponses claires et nettes. Quand c'est des vraies questions, il y a juste des vraies réponses. Tu as mangé, je n'ai pas faim. Elle a évité la réponse. Tu viens l'emmener. Je suis connu. Je ne le connais pas. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Je suis connu. 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 Je sais qu'il n'y a pas de problème. Je suis connu. Pose des questions justes. Quelques chiches les uns les autres. Quelques pannes de sa vie. Avant toi. Et pendant que vous êtes en ce moment, et sur ce, tu pourras te déterminer s'il y aura un futur entre vous deux. Et c'est vrai que j'ai dit que malade pour l'homme, comme pour la femme, c'est reverser. Vice versa. Et si vous pouvez être souverain, ne pas faire un montreur. Vous êtes là pour moi, moi, l'homme commence. Si tu l'aimes, tu sais que tu l'aimes. Si tu l'aimes pas, tu sais que tu es en train de forcer. Comme on dit que tu l'aimes, tu l'aimes. Comme on dit que tu l'aimes, ton cœur dit que. Comment tu m'aimes pour le battre? On a ta bénéle à vos paquets là. Ne porte pas le drapeau de celui qui est dans le pays. Parce que comme au Kéléli. Je te le dis. Je vais me voir, on a ta guerre à 5 jours. Ma maman, déjà, on a ta guerre sur Dieu. Et le soir, et toi, tu vas aller prendre les cravots comme ça. Il va Canada déjà. Le crâne, le régionale. Et moi, je dis ça, les soeurs, c'est bien. À chaque fois que j'ai parlé, je parle comme ça pour que les jeunes filles là, qui n'ont pas encore commencé la vie, qu'elles sachent qu'un jour, si elles ne font pas attention, je vais s'insérer aussi dans les cravots. Et le cravot, la cité dans la Bible, va tomber ta Bible. Ils allaient à Boulou, mais ils ont pris tout à l'heure, et ils ont un pacte dans la vie. Ma particule est tombée, donc ça va être. Aïe, pas de zéro, on a kéba. Même je fais une crabe à Gaïa. Mon cocoli. Me plaît à Dieu. Parce que le Dieu des équipes est vivant. Et à quoi de mon cocoli a restauré à côté ici et de sous. Alors, ça va dire amen. On est équilibré, ça va dans moi. C'est pourquoi les gens vont pas manger la télé. Afin de gagner un crabe. Jésus aussi avait dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Amen. Femme l'a dit, oui, nous les chiens, nous avons seulement les miens pécheurs. C'est le Père de la Mise. Merci Seigneur pour notre Dieu. À partir de jeudi, avant de voir notre gouvernement la fréquentation, nous allons créer une pêche. On va définir les mariages. On va voir les unions illégales. À commencer par le mariage mixte. Le mariage racial. Le mariage homosexuel. Mariage, comment on appelle ça? Contre la vie, tout on va voir. Et si après on va voir sa fréquentation dans la classe, les sorties, le regard des parents. Et autres. Vous êtes là? Vous allez là? Mettons-nous tous pour vous, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous aide. Parce que le mariage est sérieux. Et quand vous faites le mariage, c'est votre vie que vous voulez. Et quand vous êtes là, vous avez l'intention. Seigneur, mon Dieu, comme dans mon étonnement, mon propre couple est juste, et je vais prier pour toi. Veux-tu chanter avec moi? Alléluia. Seigneur mon Dieu.
Parce que tu es le Dieu des derniers.